Oh là là là, une terrible chute. On a réussi à réparer le vaisseau, mais on s'est fait attaquer par des ennemis et on atterrit dans une planète qui s'appelle Novalis. Voyons voir. Ça a l'air sympa. Hein. Trouver quelqu'un pour t'aider à réparer le vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ici que tu choisis ton arme. Je vais te montrer comment faire avec une des miennes. D'accord. Il va te falloir du raritanium, mais pour l'instant, on va utiliser le mien. Il te suffit juste de choisir une cellule. Ces éléments forment une chaîne. Vas-y, complète-la en entier. C'est pas évident, quoi. Tu n'as plus qu'à confirmer la transaction et c'est dans la poche. Ok. On a l'impression que c'est difficile, mais c'est tout quoi en faire. Hey, tu as entouré un ensemble mystère. Ça va te donner un sacré boost. Ok. C'est vraiment pas sorcier. Essaie avec une de tes armes. Un combustor ou ça? Allez, combustor. Ok, en fait, on a ça comme base. Et il suffit en fait de monter ou de descendre ici. Donc là il y a niveau 1. Soit je choisis une cadence de tir naniana. Soit ce qui m'est proposé pour cette arme, c'est avoir un peu plus de munitions. J'ai augmenté la cadence parce que les munitions, je trouve qu'il y en a assez. Hop, là ça me coûte 1. 2. Et voilà, il m'en manque une, mais je vais la prendre pour... Voilà, pour les munitions, et si j'arrive à faire une chaîne un jour, j'aurai peut-être un petit boost, on verra bien. Moi j'ai utilisé tout ce que je voulais. Amélioration, ouais il faut des pierres, est-ce qu'il faut des trucs comme ça? Ok. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais direct! J'aurais mieux le savoir de suite. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut aller là? Ouais, pourquoi pas. Retenant son souffle, notre lombax intrépide plonge dans... Ah oui, d'accord, ok. La profonditude. Comment on les tape, du coup? Ratchet savait qu'il devrait remonter pour respirer. Comment on tape? Ok. Ok, on peut pas taper sous l'eau, mais il y a une sorte de bombe qui active tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Explore les grottes en quête d'un trésor caché. C'est quoi ces trucs? Il semblerait que ce soit des alibes. D'après mes bases de données, elles ont été créées par... Toutes les planètes où on va, c'est des alibes. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ici Al, tu viens tout juste de collecter ta première holocarte. Tu peux collecter les holocartes une à une en battant des ennemis. Ou alors, tu peux explorer des zones secrètes pour trouver des paquets de 3. Ton objectif est de réunir une série complète de holocartes. J'ai l'impression d'avoir une fuite, quoi. Ah, ok, 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 ok. Bon. D'accord. J'allais le plus près possible de la porte pour ne pas manquer d'air. Oh, pardon. Ouais, je perds la vie. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est vraiment, si j'arrive à zéro, c'est zéro, quoi. Il n'y a pas un temps pour tout ça, quoi. Ok.
Au moins, je serais prévenu. J'espère qu'il aura une petite pour rester un peu plus longtemps. Voilà. Encore des affreux. Préparez-vous. Il est plus résistant, lui. Ah, ok. Ok, au début ils sont petits. Et après, ils diminuent. Merci. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde s'il y a des caisses un peu partout. Ça veut dire que j'ai une munition. Est-ce qu'il faut que j'aille? Voilà. Voilà. Yeah. Je suis revenu au départ. Hey, tu cherches des armes? Entre dans mon... Là. En fait, j'en ai pas, mais... Ah d'accord, ok, donc je peux m'acheter en fait des armes. Donc pour l'instant j'ai ça. Mais je peux acheter cette arme par exemple pour commencer. Ou celui-là. Donc qu'est-ce que c'est le pyro-lanceur? Libère un jet de fluide pyrocidique. Brûlant idéal pour éloigner les ennemis trop envahissants. Déploie un gigantesque pseudo-atome qui émet régulièrement de larges disques d'énergie subatomique. Oh, je suis sûr que je peux attendre pour l'acheter. Ce serait intéressant. Je vais attendre pour l'acheter de suite et puis basta. Wow, y a beaucoup de méchants là. Ça va, Ratchet. Tu as suffisamment de boulons pour un pyro-lanceur. Oh, et cool. Je trouve que j'en ai justement un en stock. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Oh, ça va être relou ça. Ok. Hey, c'est une statue de corps avéreux. C'est la plus jeune recrue jamais engagée par les Rangers Galactiques. Eh bien, il y en a eu des ennemis là-dedans. Donnez-moi des boulons. J'en veux plein. On verra. Non mais je rêve, ça arrête jamais ou quoi? Allez, faut que j'approche des 4000 là. Donc dès que je vois une caisse, je les défonce. Oula.
va. Non mais l'excès, je rêve. Ah, faut pas que j'oublie des boulons. Allez, je suis pas très loin. Ouais, découpage. Eh, quand même. Allez, donnez-moi des boulons. Oh non, il en vient d'autres. Oh, comme ça, ça n'est pas assez. Ceci est un message pour les Rangers Galactiques. Je vous en prie, nous avons besoin d'aide. Ici à Nyogbukwash, le maire du cratère de Tobruk sur Novalis. C'est bon. Le maire Buckwash n'a aucune chance si on ne l'aide pas. Eh bien, votre cadeau. Franchement, vaut mieux utiliser des fois l'arme qu'il a là en ce moment, à écrou là, plutôt que tout le reste. Hein. Yeah. Ma vie est accrue. Yeah. J'ai 4000 de large. Il m'en manque un autre. Je sais pas. Oh, laisse-moi prendre les blonds. Merci. J'ai vraiment cru qu'on allait y passer. Il est beau. Nous sommes ravis d'avoir pu vous aider. Mais pourquoi Drake essaie-t-il de vous tuer? Il s'agit de mon neveu, Skid McMax. Attendez, Skid McMax, le grand overboarder? Il m'a envoyé cet info-robot depuis Aridia et les blagues ne m'ont plus lâché après que je l'ai reçu. Tenez, regardez ça. Salut oncle Buckwash, c'est moi Skid McMax. Tu te souviens, ton neveu? Mon agent et moi, on est au super événement du paradis du sport de Skid McMax sur Aridia et on s'éclate. C'est un truc de malade. Non mais tu verrais, je rencontre toutes sortes de gens. Des fans, des vedettes, mes sponsors de chez Gadgetron. J'ai même signé des autographes à ces drôles de créatures appelées Blarg. J'sais même pas trop ce qu'ils font ici sur Aridia. Attends une minute. Moissonneur hydraulique, dispositif de transport d'eau super illégal. Je crois que je suis pas censé avoir ça. Arrêtez-le! Il a les plans avec lui! À l'aide! Vite! Appelez mon agent! Appelez mon manager! Non, en fait, ne les appelez pas! Appelez plutôt les gens qui tiennent vraiment à moi! Je ne peux pas mourir! On dirait que Skid McMark, ça a des ennuis. On doit aller sur Aridia. Très bien, okay. Mais on doit d'abord réparer notre vaisseau. Donc là, on fait Karine et Lignana. Il faut aller où? Alors, cratère de Novalis, naninana, défendre la planète. Donc ça, c'est bon. Option, explore les grottes en quête d'un trésor caché. Je l'ai pas fait. Tac, 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 tac. Donc il faudrait peut-être aller là.
Ça, je l'ai visité, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Et là, ce serait trouve quelqu'un pour t'aider à réparer le vaisseau. Ok. On va réessayer de chercher le trésor caché. Ouais, d'accord. Voyons si on peut trouver de l'aide. Votre attention, citoyen. Votre mère est sans sauve. J'ai été sauvé par un héros à fourrure et son ami robot. Je suis à nouveau disponible aux heures de bureau habituelles, soit un mardi sur trois de 10h à 10h30. J'essaie de chercher le trésor quand même. Je vais courir plus vite, merde. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça peut être quand même comme trésor caché. Sachant que ce jeu, j'y joue vraiment pas beaucoup. Ah. Un truc peut-être à faire, non? Non. Si, un truc, non? Tac, tac. Ok. Y'a pas un truc relié là? Faudrait que j'arrive à ouvrir cette porte, non? Non, pas rien. Voyons voir. Oh, j'ai oublié plein de caisses, j'ai abusé là. Me dis pas que c'était là le vaisseau. Perte de temps. Oh là 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 là, j'ai fait tout le tour pour rien. J'ai pas été bon. Ok. Jette donc un œil à mon stock. Tu trouveras les meilleures affaires de la galaxie. Je crois. Hop, parfait. Amuse-toi bien avec ton tambour en proton. Yeah. Voyons voir si je passe par là. Est-ce que c'est le bon endroit? Ça a pas l'air parce que finalement ça me ferait passer par là. Et si je passe par là? Réfléchissons. Je vais passer par là. D'accord que j'ai découvert ça. Ok. Normalement, je suis juste à côté. À ma droite. C'est pas au milieu. Je sais plus. Mais c'est ça le trésor. Est-ce qu'il faudrait tirer dessus? Balèze quand même, mais ça a rien fait. Je suis sûr que c'est ça, non pas du tout. Voyons voir. Est-ce que je peux y accéder par là? Ouais. Et apparemment il y aurait une trésor là. Encore des caisses. C'est bizarre, ils disent que c'est là. Je suis pas fou. Où est-ce que le trésor se cache? Est-ce qu'il a un auteur? Il y a un bug, oui, il y a un bug. Trouver quelqu'un pour aider. Option, explore les grottes en quête de trésors cachés. Franchement, j'ai tout fait. En même, peut-être que j'ai pas regardé bien comme il faut, mais... Il y aurait quelque chose ici.
Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Écoutez, à part ce truc là, là. Tu excelles dans l'art de casser des choses. Ouais, Grim m'a déjà dit la même chose. Voilà le trésor, waouh! Des cartes! Ok. Ok. D'accord. Bon, ça c'est fait. Maintenant. Faut que je reparte. Bon, la prochaine fois, je saurai. Ça doit être la sortie. Ok. Maintenant, il faut aller en face. Pour trouver celui qui va réparer mon vaisseau. Oh, la chance. Hop, j'ai le temps de récupérer. Yeah. Je commence petit à petit à comprendre le jeu. Le voilà. À l'attaque. Ouais, je tire que 3 fois. 4 fois, pardon. Je préfère le garder. Pour de bonnes raisons. Allez, redescends. Allez, tous les sous là, venez à moi là. Right. Allez, petit dinosaure, merci, au revoir. Je l'ai trouvé. Oh là là, cette tête lui aussi. Il doit être fort en géométrie. J'ai comme une impression de déjà vu. Je ne crois pas, non. Ma vieille caboche aurait besoin d'être affistolée. Ouais, tu m'étonnes. Bref, j'essaie d'envoyer un appel de détresse au Roger Galactique depuis que l'armée de Drake a débarqué. La région tout entière est prise d'assaut par les navettes Blarg. On doit vous sortir de là. Eh bien, je ne pourrais aller nulle part comme je n'aurais pas remis cet info-robot au Capitaine Quark. Nous allions justement le voir quand notre vaisseau a été abattu.
On pourrait y jeter un coup d'œil? Oui, pas de problème. Je l'ai piqué à un de ces soldats Blarg. Et voilà. Oh, tiens, bonjour. Je suis... Ah, on regarde... Le président de Trident. Un peu la télé. Vous vous demandez certainement pourquoi 300 robots de guerre armés jusqu'aux dents marchent d'un pas menaçant vers un croiseur de classe G. La réponse est très simple, chers amis. Pour le progrès. Il y a des années, nous avons dû nous réfugier sous terre pour échapper à la pollution attribuée abusivement, mais néanmoins à juste titre, à l'entreprise de mon père. Depuis lors, nous avons délaissé la robotique pour nous consacrer à la création de planètes. Maintenant que notre projet touche presque à sa fin, nous devons faire tout notre possible pour respecter nos délais. Dans ce cas précis, cela signifie que notre sympathique armée de robots de guerre doit vaincre tous ceux qui voudraient s'opposer à nous. La bonne nouvelle ? Nous allons les prendre par surprise. Alors, laissez-vous aller, détendez-vous et réjouissez-vous, car vous savez que Drake Industries travaille pour vous. Drake Industries ne travaille pas pour vous. Vous avez un petit problème de transport, à ce que je vois. Et si je vous retrouvais à votre vaisseau, on va le retaper et vous pourrez décoller. Allez. Geronimo ! C'est moi ou ce type vient de se jeter dans les égouts ? Ah, t'inquiète pas, eh bien, ça a l'air d'être le moyen le plus rapide de descendre. Essayons. D'abord, je vais regarder s'il y a pas des choses à découvrir ici. Allez, go. Geronimo ! Ah, l'éclate. En gros, un gros toboggan. Hein. C'était mortel. Tu veux recommencer? Ok, voyons un peu ce qu'on a là. Let's go. Et c'est ainsi que Ratchet et Clank partirent réparer leur vaisseau avec l'aide du plombier. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient bientôt côtoyer le sublime, qu'ils allaient entendre ses puissants muscles craquer. Mais d'abord, ils allaient devoir affronter un T-Rex zombie mangeur de cerveau. Quoi? Pas si vite. J'ai pas souvenir d'un T-Rex zombie mangeur de cerveau. Ok, ça va. Rabat-joie. Bon, tout a l'air d'être en état de marche. Promettez-moi de remettre cet info-robot au Capitaine Quark. Je vous le promets. Merci pour votre aide. Pas de problème. On se voit dans le prochain remake. Tu roules sur les boulons. Tu peux en dépenser. Viens donc acheter un pyro-lanceur. Je vais voir si j'en ai assez. Hey, pourquoi ne pas améliorer ton tambour à proton? Allez, parfait. Ouais, tu vas pouvoir... On a tout ce qu'il faut dans cette planète. Franchement, ça a été une bonne visite. On va repartir le vaisseau. Où est-ce qu'on va? Si je réussis, grosse villa, gros jacuzzi.